Salut les gens, c'est Tardarine, je suis toujours en compagnie de Katox, Weird Mec et Atemir, et on s'apprête à un épisode tout en paix et en amour. Musique. Exactement. Donc, j'invoque une créature, si ça ne vous ennuie pas. Je la rends bien évidemment invisible. Hop. Voilà, et je lui fais déclencher le combat tant qu'à faire. Attends. Bah oui, si vous voulez. Les petites frayeurs sur ça là. Regarde-le. Efficace. Je suis encore surpris. Waouh, l'ennemi est surpris, mais il joue quand même, l'enculé. Ah, il t'a endormi. Bon, moi je vais tuer le gars là-bas là, qui me saoule là. Bah, tue la marchande. Ouais. Exactement. Bonjour. Oh. Comment ça, esquive, tiens. Oh, ta gueule. T'as retourné son arme contre elle, donc elle ne veut pas. Alors. Qu'est-ce que je fous là, moi, pourquoi. J'étais au-dessus, moi. Le staff, que tu l'as vendu finalement ou pas, celui que je t'ai envoyé? Ouais, ouais. Ouais. J'aurais dû le garder. Oh, pas mal. Tiens. Entre 3d6, je vous ai fait 3d6 de dégâts, j'ai fait 4. Bien joué. Je vais reroll, moi j'en ai plein le... On est marre. Oh, non, elle est invisible. Non, parce que bah, moi je vois l'invisibilité. Oh, bien joué. Bon, je sors quelque chose. Comment tu la vois? J'ai un... dans mes sorts. En fait, dès que je termine mon long repos, je me casse deux sorts sur la gueule. Communication avec les animaux et détection de l'invisibilité. Wow, c'est ça le petit œil que j'ai. Elle m'a pas reloué de son truc. Oh, oh ouais, ça va faire de la thune. J'ai pas eu tout regardé. Sa cote de maille là. Attends, ah bah, parchemin de livre, trait de feu, couti, tueuse de monstres, pièce de nature, côté de main, machin. Ouais, bon, bref. Bah, poudre à canon. 12 à 21 points de dégâts. Elle a pas aimé, je crois, l'attaque d'opportunité. Non, ouais, ça c'est bon. C'est mon domaine, ça, normalement. Attends, Alors, toi, tu meurs. Ah, mais. Tu me laisses vraiment jamais balancer un seul sort, hein. C'est un truc de dingue. Qui, moi? Bah oui, à chaque fois tu achèves les gens à ma place. Alors je suis désolé, vu qu'ils étaient au corps à corps, je me suis dit que c'était mon boulot. Tu ruines mon fun. T'as pourri mon gros. Eh bah attends, on peut peut-être aller voir aussi ce qui... Ah, un marche de glace. Qu'est-ce qu'il fout? Il y avait un truc en haut de un trou pour mais je suis trop gros. Ordre d'expédition, n'ouvre pas le coffre, ah oui, ça on l'a déjà vu. Prospectus. Non, il y a rien là-bas, Arda. Oui, parce qu'on y est déjà allé. Il y a la porte. Attends, vous êtes déjà allé dans la pièce là? Bah oui. Ah, ouais, on y est passé en forme. C'est là où on a trouvé la dizaine de trucs. Mais elle est où la chambre? C'est là où je suis. Elle est beaucoup plus loin. Là où je suis, là où je suis. Ah bah, ce que je dis, hein, si on. Ah, il y a encore des tonneaux. Ouais, c'est le tonneau d'eau. Après, du coup, c'est une autre zone donc. Est-ce qu'on finit la zone dans laquelle on est, on ira là-bas après? Ouais, on finit la zone dans laquelle on est. Est-ce que... Mais c'est juste une petite zone ou c'est vraiment une zone c'est pas grande très grand, ouverte? C'est. Y a un troll, bah, et je pense qu'il y aura la prêtresse. Mais non, la autant prêtresse. Autant le faire, hein. Non, là on a tué un gobelin, après il y a une vraie prêtresse. Bah on peut aller voir, au moins on aura la réponse à nos questions. Et c'est surtout que les 4 c'est ici, donc tant qu'à faire. J'arrive avec les... Ah non, attendez, par contre, c'est un peu un boss quoi, donc je pense que ça peut être intéressant de faire un petit reposé quoi. Oui. Par contre, cache-toi. Il y a quand même un troll. Qui certes, je sais pas s'il est méchant, mais dans le doute. Alors, je sais pas, je vois. Faut ressortir, parce que je pense qu'on pourra pas faire de long repos ici, de toute façon. Hop, et
Long rest. Ah, carrément, long rest. On peut faire peut-être un short rest, hein, et celui, moi, je le ferai sans sort, mais après... T'es sûr? Oui, enfin, je vais t'apprêter. Moi, j'ai encore pas mal de trucs, là, il me reste encore 3 sorts. So be it. Alors, short rest. Allez. Et bah, en avant, alors. Ah, ça fait du bien de te récupérer, n'empêche. Pas se mentir. Alors, moi, je vais aller me mettre en position haute, bien évidemment. Elle va pas te repérer. Bah, du coup, moi, je vais lui parler, hein. Viens, là, on a la garde du corps. Fuck. Alors, ma petite bestiole, je vais la rendre invisible tout de suite. Moi, perso, je fais pas le dialogue et je me rapproche de la cocotte. Hein. Ouais, ouais, vas-y. Katox, je te laisse gérer la parlotte. Bah, globalement, je m'en vais ou attaquer. Et bah, attends, nous on va l'attaquer. Ok, moi, je vas-y. L'attaque si tu veux. Vas-y. Attends, je peux l'effrayer encore. Attends. Balance un spell déjà. Voilà. Il va passer, hein, sale quart d'heure. Ah, je peux pas, ok. Et du coup, moi. Est-ce que je lui balancerai pas un petit. Ton petit diablotin, tu pourrais pas le décaler un petit peu plus, c'est le coller à d'autres. J'ai déjà passé le tour. Ah, et tu peux tu peux arrêter le passage de tour. Hein. Ah, ouais, comment? Bah, tu arrêtes le tour et tu fais annuler le passage de tour. Et tu veux que je le mette où? Là. Je me prends une attaque d'opportunité si je fais ça. Ah. Bah, décale le près d'Atémir. Alors, mets-le là. Normalement, si tu le longes, ouais, voilà. Longes les fesses, y'a pas de problème. Ouais, tu voulais sauter sur place Ouais. Parce que j'ai encore une action bonus et le saut, c'est une action bonus. Bien ça. Ah, bah, ouais, mais là, c'était sûr. Ah, non, mais c'est pas grave. Encore crit miss, vraiment. Eh, c'est pas con ça, hein, pour. Ouais. Oh, ouh, bah lui aussi, ma crit miss, tiens, ça fait plaisir. Si tu te décales un petit peu, je vais essayer de sauter là. Tu veux sauter où? Ouais. Si tu te décales sur la. Ouais, je sais pas si. Bah, je vais essayer, hein, j'espère que je vais pas toucher. Oh merde! Oh, on était con. Il aurait fallu la prendre en embuscade en chopant le gros plateau qui avait passé juste en. En dessous d'un gros plateau avec des braises. Ah merde, j'ai pas la. T'as encore oublié de l'activer? Non, j'ai pas la bonne. Ah. Je suis avec la hache, j'ai oublié que j'étais pas avec le marteau. Ah. Putain, je vais prendre tellement cher, c'est à toi, Katox. Je réfléchis à ce que je fais. Elle a aucune résistance et j'ai pas réussi à lui faire de quoi que ce soit avec mon rayon de givre, je suis un peu deg. Tu lui as fait des dommages, mais. Non, je lui ai pas fait de dommages. Hein. Après, elle a vu que c'est. Je pourrais être soigné. Hein. Pas des masses, mais... Échec contre, critique. C'est tellement de PV... Attention. C'est cool par contre. Ouais, c'est... Attends, regarde. Ah non, là, ça utilise l'attaque. Pourquoi non? J'essaye de la maintenir effrayée avec les murmures du sonore. Ah bah pas mal, là. Ouais. Ah oui, là, le 4-4-4-4, je suis plutôt content puisque j'ai 3D4 plus 3. Du coup, j'ai fait 1 plus 3. Voilà. Je vais bouger de l'échelle. Ça vous choque si je me heal là ou. Oui. Tu fais ça, tu seras qu'une immonde raclure. Très bien. Attendez, rapprochez-vous, je vais utiliser un truc. Attends, parce que. Il y a des scrolls là. J'ai du scroll dans mon inventaire, Ardos. Attends, parce que je vois des trucs là. Je sais pas si. Oula, on va y aller, mollo. Ah, non, attends, ça ne sonne que moi. Ah, ça c'est embêtant. Bon, ouais, j'ai rien dit en fait, ça va être que pour ma gueule. Bon, j'ai créé un trou, mais je sais pas où il va. Ah, attends, non. Meilleure idée. C'est quoi ton ami à tête, toi? Ah, ouais, donc j'ai rien dit. Deux? Non, t'as un truc qui fait Misty Step, sinon je t'aurais filé mon amulette et t'aurais pu te soigner de ça en plus. Bon, pour aller explorer le truc que j'ai. Parce que dans la pièce là derrière, j'ai éclaté le sol et. On peut descendre, mais il faut une Featherfall. Mais on a d'abord une pièce à aller voir là-bas. Par là. Y'a des pare-chauds, hein, là.
Ouais, Arda, moi j'ai des pare-chauds sur moi. Attendez, mais ramassez-les si vous les trouvez et envoyez-les moi. Mais prends-les chez nous, t'es aussi fort que nous pour faire ça. Hein. Je l'ai pris. Hein. Allez, on va les visiter par là. Je sais pas quels sont les. Je t'ai envoyé celui que j'avais. Mais tu les prends tous, de toute façon, nous, moi je lance pas de sort, c'est pas. C'est mon berceau, il sait pas lancer de sort. Décrété. Un squelette. Ah, mais j'étais en train de les prendre. Là 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 là. Ah là 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 là. On est pas organisant, c'est ouf. Mais oui, mais c'est une horreur. Allez, tout ce dont j'ai pas besoin, je le renvoie à Katox. On ira à la vente. J'ai l'impression qu'on fait que descendre, non, là-dedans, là. Ouais, c'est possible. Alors du coup, vous êtes barré là-bas. Y a qu'un chemin, hein, donc en même temps... Attendez, là il y a, un passage, il y a une crevasse rocheuse ici. Oh, mais c'est trop bien ça. C'est quoi? Bon alors par contre je viens de le waste pour rien, mais c'est pas grave. Je peux Misty Step. Alors, sur le retour on passera dans la crevasse? Ouais. Bah je pense qu'elle doit amener Je crois qu'on est c'est plutôt... Ah des... Oh il y a des... Il y a un casse-tête au sol. Ah attends, et le machin du casse-tête il est là. La réponse au casse-tête elle est dehors. Bah il faut mettre toutes les petites lumières sur l'extérieur quoi. Pas forcément. Où c'est que t'as vu la réponse au casse-tête? Bah je sais pas, il y avait des petites étoiles, c'est pas ça? Bah si, c'est ça non c'est ça. Bah toutes les étoiles sont sur l'extérieur non? J'arrive pas à voir le... Où c'est que tu voulais? Ah oui! Mais non c'est pas le symbole de l'absolu ça? Bah c'est ce que je me suis dit après donc... Ah oh, fuck. Ah c'est ton argent. Oh non. Attends. Attends. Ah j'ai fait elle aussi. Bah lance sur Katox. Tiens Katox. Non. Oh putain mais. Mais qu'est-ce qu'il a fait ce con? Alors là je viens de faire un face palm. Il voulait te guidance mais t'as mangé boule de feu. Mais c'est pas possible là. Non mais c'est... en fait j'ai l'habitude que à cet endroit là ce soit Kaitens. Et comme j'ai trouvé cette nouvelle amulette. Attends, hop. Attends vas-y, c'est que ça. Arda, je te mets Kaitens, il faudra que t'ailles checker là-bas. S'il te plaît. Lol. C'est pas ça du coup? Oh, sur Katox, hein, du coup, Guidance maintenant. Il est où? Mais le casse-tête, il faut le faire. Ici, Katox, viens là où je suis. Viens là où on est. Attends. Bah, ouais, c'est ça quand même. Bah, si. Si t'as testé une combinaison et c'est dans l'autre, peut-être mets la lumière au milieu. Tiens, mets Guidance sur Katox avant qu'il avance. Mais j'ai pas assez de. De toute façon, y'a plus que toi, donc faut monter l'escalier devant toi là. Interlocking circles with moons and stars. This must be the seal mentioned in that journal. Ouais, mais. J'ai combien de perceptions moi normalement? Je veux bien, mais alors on fait comment? Je les mets sur l'extérieur alors? Quelqu'un a pas. Attends. Ah ok, je l'ai. Non mais attendez. J'ai un journal qui parle justement des cercles qui sont interloqués là. Et il faut mettre toutes les lumières sur le haut du cercle, sur le haut des trucs et les... Comment ça s'appelle? Et les cercles noirs, il faut les mettre sur le bas, par rapport à l'entrée de la salle. Ok. Bon. Vas-y. Non, il fallait retourner encore celui du dessus. Non, comme ça. Ah oui, je suis dans ce sens-là aussi. Waouh.
GG. Attendez, parce que y a pas. Attends, j'ai vu un levier là. Ah oui, non. Bah c'est bon, bah on a. Vous avez peur bientôt monter un niveau vous aussi, si. Attends, parce que je vais tirer sur le levier. Il a tiré la chevillette. Ah bah voilà, c'est juste l'ouverture de porte. C'est donc ça. Registre des envois. Je sais pas pourquoi, je sens assez mal. Hein. Là on s'enfonce de plus en plus dans les télés. Bah là on va peut-être faire un vrai reste alors du coup. Non mais après on verra, on sait pas encore ce qui va nous passer. C'est-à-dire que s'il y a un boss en dessous, on sera content que t'étais sort, non? Écoute, ce qu'on va faire c'est ça. Et puis on va aller voir. Ouais, moi j'ai jamais vu cette zone. C'est vrai, oh, il y a une cinématique! C'est Katox avec ses arbalètes. Ouais. Regardez-moi ce savoir-faire. C'est stylé en vrai. Ah, tu l'as glissé et là, quoi. En fait, je vous ai pas dit, mais j'ai peur du vide. Voilà! C'est pour ça, on t'a laissé descendre en premier sans corde. Allez, ciao! Oula! On est où, ce que... Y'a des tonneaux! Oh! Non, sans déconner, on est là! Parfois j'ai l'impression que Weird il joue un peu au sage, tu vois, en mode ah oui, je vois où on est. Et voilà. C'est tout. C'est moi qui ai allumé la lumière ? Non, c'est moi. J'ai cliqué sur le brasier. J'allume la torche. Une bougie. Ouais, c'est pas important hein, quand c'est allumé. Ah bah c'est déjà un peu plus, comment dire. Monsieur. Atémir, faut que tu ouvres la porte. Atémir, il a chopé le coup là, on est en train de faire un autre pot, on va faire Maintenant j'ai compris, hein. Je vois des tonneaux, je les ramasse hein. Ouais. Je suis un bon élève moi. Bah comme ça si jamais on... Attendez, il y a une porte ici, il y a une porte verrouillée du coup Mais... C'est celle-là qui où est-ce que nous sommes? Où sommes-nous? Je sais pas, mais manifestement on y est en tout cas. Il fait noir. Attends, j'ai pas mis mes bons gants. C'est bien qu'il y avait quelque chose que j'avais pas bien fait. Let's go again. Je t'ai gaillé dans la gueule en plus. Ça va être mieux. Putain, 15 quoi. Après, l'avantage c'est qu'il kiffe tout. Bon, j'en ai encore 40 alors. Normalement. Essais, ah, mais ce que j'ai une casse. Pourquoi je fais que 16? What the fuck? Par contre, je sais pas du tout où on est quoi. Moi, je sais. On est en dessous. Wouah, vraiment? What? Qu'est-ce que c'est que ce. What is the fuck? Rien. Mais il est mort. Je sais pas, mais il est mort. Ah, c'était pas toi, d'accord, j'ai eu peur. Est-ce que je peux le loot? Mais c'est un Minotaur qui a tenté de venir taper la grille, sauf que c'est fait défoncer par les deux. Non, je peux pas l'atteindre. Oh, il reste encore un tonneau. Ah, c'est bon, t'as réussi à ouvrir la porte? J'ai le coffre d'après. C'est dommage qu'on ait pas de paladin. Pourquoi? Parce que c'est un casque pour paladin. Ah non, tu me diras, toi tu dois voir ça. Je crois que c'est peut-être pour toi, vas-y prends-le. Dans le coffre. Peut-être pour toi, Mimia. Ah non, le coffre là. Ouais. Ah, trouve un point de passage. Yes. C'est comme ça. Je sais pas si t'as smite toi. Non. Ouais, bah c'est pour les paladins alors. Après. Oh, il y a un coffre là-haut. Ouais, non, bah, je l'envoie à Katox pour qu'il coffre le coffre opulent. Il est verrouillé? Oui. Oh, il y a aussi un coffre en bois. Par contre, comment est-ce qu'on accède à ça? Je sais pas, je vais aller sauter. Oh, il y a un tonneau en plus. Ah, bah attends, il y a une porte. De quoi? Vous êtes monté au-dessus ou pas? Ah, ouais, effectivement, il y a un truc. Attends, je vais essayer de voir si je peux pas casser la porte. Attends, y'a pas. Attendez, si, je vois, je crois que je vois. Petite question là. Un truc de perception encore que j'ai loupé. Le mur, je pense qu'on peut faire un bidule. J'ai une petite question. Vous voulez pas, genre, on finit la. Là, on est vraiment dans une autre zone, non? Bon, après, on n'est pas. On peut se dire qu'on se maintient à ce petit fortin et puis ce sera bon, quoi. Faudrait que t'ailles là, Arda. Allez, let's go!
J'ai trouvé une clé, c'est l'unité. Oh, on a trouvé des coffres. Il y a un piège, hein. Attention, ouvre pas le gros coffre. Hein. Oui, oui, oui. Il y a un piège à désamorcer. Bah là où t'as ouvert le premier coffre, j'ai eu un test de perception ici en fait. Ah ok, j'arrive. Ah bah attends, mais... Bing, coming. Il y a un bouquin en bas. Ah, on a un sigil en plus. Ah, c'est cool ça. Attends, parce que j'ai une clé, tu crois que ça ouvre le coffre? Mais il est piégé. Ouais, alors ouais, peut-être à... Bah si j'ai la clé... De toute façon, on va voir si t'as quick save. J'ai quick save. Ouais. Putain, mais pourquoi je fais que des échecs critiques, c'est fou. Comment ça devenir chiant. Ah, mieux vaut les faire maintenant que pendant les combats. Hein. Bah oui. Une façon de voir. Ah, mais tu m'avais pas mis guidance, c'est dommage. Attends, je pick up le bouquin et j'arrive. Ah mais c'est trop tard. Mais non mais c'est pas grave, tu peux quand même désarmer le truc sur un deuxième. Non? Je sais pas. J'arrive. Ah mais t'as plus les gants qui te filent guidance? Non, c'était une amulette. J'ai Misty Step c'est mieux. Tu me diras Misty Step, je l'ai utilisé, je pourrais l'enlever, mais bon c'est pas grave. Non, bah, je vais pas m'amuser à switcher. Non et puis c'est ton truc guidance, c'est... Oh, j'avais l'amulette parce que j'avais rien d'autre. Ah bon, c'est un peu tard, mais... Bah c'est zéro. Mais bon, pourquoi pas après tout. Chemin, le sort là, en parchou, il est vraiment cool. Hein. Moi je l'ai filé hard. Hein. Ah, un drop pétrifié. C'est où ce que... Drop pétrifié. C'est quoi cette statue là? C'est une... Alors, grande dalade avec plein de statues. Mon avis, c'est... Vous pensez qu'on peut l'ouvrir la porte là? Oui, il y a le levier. Mais on va pas aller par là, parce que sinon on va encore se perdre. Il y a un autre levier, attends. Non, on va... Alors, pas. Je suis d'accord. Mais... Et on va peut-être finir les gobelins déjà là. Non, mais oui. On a croisé plein de gobelins à tuer quand non, même. Mais je suis d'accord, mais moi j'ai juste envie de looter le Minotaur en fait. Il y avait rien dessus, c'est ça? Il y avait exactement rien dessus, je suis très déçu. Allez, allons se faire les gobelins. Ouais, on va remonter. Par contre, on n'a pas un truc à choper ici à la base? Attends, je rouvre la porte comme ça si jamais. Si, effectivement, c'est pas fini. Il y a encore un truc à ce niveau-là. Il y a une flèche sur la carte. C'est quoi là? Comment ça, il y a une flèche? Bah, si tu fais M, il y a un truc sur la carte. Bah, il y a un custom marker, mais il est hors carte en tout cas. Bah, non, c'est pas qu'il est hors carte, on peut passer par là. Retournez voir Sevlor, voler l'idole sacrée des druides. On peut passer par là où j'ai mis mon... Oui, donc ça c'est juste le retour, c'est un point de remontée en surface. Bon allez, laisse-vous. Non, parce que ici il y a un truc hein, là où je suis là. Et ben je suis très content qu'on ait découvert parce que justement c'était un truc que j'avais pas réussi à faire et ça me frustrait profondément. C'est-à-dire que t'avais pas réussi à le faire? Dans sa partie perso. Ouais, parce que moi je t'ai retourné tout le Underdark, hein. Y'a plus un seul passage, un seul recoin où je suis pas allé. Ouais. Ah, elle est trop bien cette zone. C'est vrai que c'est joli. Ah, mais c'est parce que ce que je vous disais, moi, c'est pas en passant par là que je me suis retrouvé dans l'Underdark quand je vous disais que au début je voulais aller faire le camp gobelin, j'ai rencontré une maison en feu et bah, je me suis retrouvé à l'autre bout de l'Underdark. Ah oui, la crevasse, on avait dit la crevasse. Ouais, après est-ce qu'on va rester pas... On va tomber hein. Bah pas forcément, T'as une Feather Fall ou je peux peut-être utiliser une potion pour aller voir? Attends, j'ai peut-être un Feather Fall quelque j'ai part... J'ai pas l'impression que mon rat il puisse faire quoi que ce soit. Et ta main de mage? J'ai pas de potion de Feather Fall. Et mon rat invoqué, là, il a fait le tour. Ok. En fait, moi, je suis dans la crevasse, moi. On est dans la salle où il y avait tous les tonneaux. Ça ne sert strictement à rien. C'est embêtant, ça. Moi, bon, j'ai pas de potion pour chuter sans douleur. T'es passé où, toi, Katoxa? Je comprends pas pourquoi tu dis ça. Bah, juste ici. Là.
Alors t'es passé 4 fois devant l'endroit où j'étais, mais c'est pas grave. Oui, là, mais justement, j'arrivais pas. Ah, pourquoi tu veux aller là? Bah, je sais pas, il y avait le sol, j'ai fait un trou et. Si vous avez juste besoin d'un phaser full, j'arrive, je sais pas. Ouais, juste pour par acquis de conscience, parce qu'on va savoir où ça mène, quoi. Conscience, je suis maintenant un gnome. Ça me perturbe profondément. Ouais, mais c'est parce que du coup, je peux passer dans les petits trous en fait. C'est bon. Allez, c'est parti. Ah, heureusement, je suis passé en premier. Pourquoi? Bah, parce que j'avais pas retiré tout que. Ah, œuf d'araignée. Sortie de grotte. Bon. Alors, on peut casser les œufs d'araignée. On a beaucoup. Ah, y'a peut-être des trucs dedans. Non, je sais pas s'il y a des trucs dans les zones. Je sais pas, mais ça évitera de faire popper des œufs d'araignée si jamais y'a un problème. On va voir ce que donne la sortie de grotte. Oula. Oula. Ah. Qui est cette personne? Ah bah on arrive. C'est bien, on revient à peu près là où on était avant. Oh, Smaller Giant Spider. Qui nous parle si on lui parle? Attends, je peux lui parler, attends. Ah bah, à côté, il y a une Larger Giant Spider. Moi, je pense qu'on va les buter, hein. Attends, pardon, il est en discussion là. Parce que j'étais en cinématique et voilà, et ben, je peux les dresser. De quoi, les araignées? Tu peux dresser les araignées, sérieux? Notre camp, ça va vraiment être. Ah ben voilà, buter les gobelins, hein, t'as raison. She looks to the closed door, drooling. Ah mince, c'est fermé. Allez, faut ouvrir la porte. Mais t'es pas sérieux, t'as réussi à les dresser là? Attends, je vais ouvrir la porte. Ouais, ça. Wow. Ah ouais, c'est. Ah ouais, ça déconne pas. Tu t'es fait une copine. Ah, j'aime bien les deux. Ah ok, faut remonter, il y avait un levier qui doit pouvoir ouvrir la porte. Mais là, il y en a un là. Ah bah, ouvre le levier alors. Ce qu'ils disent. Rien fait, hein. Il est en conversation. Mais là, ça m'a dit qu'ils sont pas... Ah non, je pense qu'il faut qu'on ouvre de part et d'autre parce que j'essaie de réappuyer sur le levier. Moi, je trouve pas de levier, moi. Ah mais ils veulent pas, attends... Non mais c'est ça, en fait c'était là où on a buté tout le monde tout à l'heure. Et il y avait un levier à cet endroit là. Pourquoi ils sont deux là? Ah mais il y a un levier de l'autre côté, peut-être que... Ah mais non, c'est parce que je peux peut-être pas m'en servir parce qu'il me regarde. Attends, oui, non, mais c'est juste. Ou alors c'est juste... Je suis là. Eh, tu peux pas tenter l'invisibilité de ton pote pour activer le levier, Arda? Je sais pas si t'as ton pote encore mais... T'as dit rien. Si, mais alors attends, il est vraiment que de notre côté le levier, il n'y en a pas un de l'autre? Parce que je peux peut-être... Si, il y en a un de l'autre, mais c'est loin. Il y en a un là, et un autre avec... Je pense pas que mon pet il va réussir à l'activer. Ah, j'aurais peut-être pu utiliser ma main de mage pour ça en fait. À mon avis, il vaut mieux qu'ils soient invisibles, parce que sinon ils vont gueuler en disant « Hey, vous avez pas le droit de toucher à ça. » Grave, grave, rends-le invisible. Je peux toujours pas activer le levier. Ah ouais, ouais. Attends, vas-y, peut-être que si on appuie sur les deux en même temps. Ah, ok. Ah, mais voilà. Ah, bah voilà. Oh. La bagarre. La bagarre. Attendez, oula. Bon, bah, ouh, on a des potes, je crois. Ouais. Oh, mais non, c'est donc tu ranges bien ton marteau et t'évites de les taper qu'on ait pas à se les bouffer. Hein? J'ai envie de sauter. Ah non, mais c'est bon, t'inquiète pas, je peux sauter, j'ai désactivé l'aura.
Crit miss, putain. Ah, j'aime trop les marteaux parce que même quand tu misses, tu leur fais 5 points de dégâts. Ah, j'ai pas fait sauter. Hop là, c'est bon. Ensuite, moi, comment est-ce que je vais me débrouiller? Ils sont que deux? Ouais, oui, oui, oh, oui. Pas claquer des sorts, hein. Cool, je l'ai raté. Est-ce qu'elles vont continuer à aller foutre la... Ah voilà, bah là elles sont parties là. Je sais pas où. Ils sont remontées vers le c'est haut. Nos potes. C'est nos potes. Attends, il y avait un gars qui... Ouais, il y avait un gars qui se faisait torturer tout à l'heure là. Ouais, c'était... Ah mais ils sont ici là. Oh, il y a un œil scrutateur là où et les là, y a un mec là. Abdirak. Je vous retrouve. Attends. Moi là où je suis, il y a un gars chelou. Je te laisse passer Katox pour lui parler à la limite. Abdirak. Resolving this peacefully will require more caution than you displayed in getting caught. Attaquer, bah oui, oui, attaquer. Ouais, il est un peu cuir moustache le monsieur. Cuir, cuir, cuir moustache. Oh lolo. Oh mais comment on les dépote, ça devient indécent. Ah ça devrait être interdit à la convention de Genève là avec un bien franchement c'est n'importe quoi. Mais j'ai pas tapé hein. D'accord. Alors attends. Ah, et avec C'est Ardin hein, qui l'a défoncé hein. Ouais je lui ai fait un critique à 11. Voilà. Il a une masse. Quoi? Paf. Alors il y avait quoi dessus? J'ai une masse et 10 PO. Ah Loviatar, Scorch. Ah elle est pas dégueu. Elle est ah, pas oui, dégueu. T'as pourquoi y'en a que pour lui quoi? Mais non mais prends-la. Moi j'ai déjà eu une masse à deux mains. Ouais. Je viens d'avoir une hache à une main verte. Attends, je te l'envoie Katox. Après, peut-être que je sais pas si c'est une arme sur laquelle t'es proficient. On sait rien. Peut-être alors là, il y a un gars qui est en train de se faire torturer. Je vais peut-être aller donner un coup de pouce. Ah, par contre, tu feras gaffe, Katox, t'es encombré, mais je t'ai filé tous les trucs que j'avais droppés qui ont de la valeur là. Ouh, ça a l'air douloureux. Ouais, je t'ai filé la masse à une main parce que je pense que ça peut être pas dégueu pour toi, Katox. Attends, ce que je suis en dialogue. Please, stop. Ah, here to see your friend, have ya? Come and join him if you like. As the symbol glows, power courses through you. Oh, pas besoin, hein. On casse la gueule. Non, mais on les bute juste. The geek snuck in here with his mates, looking for some forgotten thing. Said they ran to some kind of grove. He doesn't want to tell us where it is, but he can't resist forever. Je peux pas le buter, donc limite. Au pire, toi tu t'en vas et nous on le bute après. Ouais, tu fais quoi? Vas-y, dis-lui d'aller prendre un verre et dès qu'il va aller prendre un verre, on lui tombe sur l'arbre. Oh là là, quantité expert, un proficient. Ah, bah, direct, critique. Il a fait un vin naturel. Même pas besoin de suivre. We do all the work and you get to finish him. Bah, take him. Won't do you any good. He just screams.
Oh, ça va t'arriver aussi. Là. Ah, quel est ? T'as déjà fini ? Ah non, je sais pas. On en a tué un, ouais. Je suis en train de boire de l'eau. Bah moi aussi, j'ai pas compris tout ce qui s'est passé là. Ah bah il s'est fait dépoper. La bagarre. C'est abusé. J'ai même pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Ah, on a tous pris un level. Ah, presque ah, tous. Sauf Atémir. Parce que justement il fait trop de bagarre. Let me out. Je l'ai libéré le gars. No reason for this. Il y a plein d'objets à récupérer là. Wow. I don't know. Il a toujours pas de level. He changed into a bear, but I lost sight of him. I don't know if he's still alive. That's all I know. Please, get me out of here. Bah oui, bien sûr. Thank you. Thank you so much. L'artefact aurait pu être bien. J'ai pas les clés, je sais pas comment on fait pour le libérer. Mais je l'ai libéré déjà, t'inquiète. Ah d'accord. Bon, alors là j'ai un choix mannequin qui va s'offrir. Ah là là, ça y est. Ah ça y est, il a pris son level. Ah, un petit passage de niveau, on fait une pause pour le passage de niveau ou on le fait en live? Ah moi je fais une pause. Bah on est qu'à... Oui, on va peut-être faire une pause, parce que moi le temps que je choisisse mes sorts et tout, ça va être lent. La petite pause du passage de niveau, à tout à l'heure. Ah, à toutes. À toutes. Alors je sais pas. I came just in time. You are transforming. Allez, je connais votre voix, je l'ai déjà entendue. Yes, you have. I saved you before. Le scénario. And I'm here to save you again. Vous avez chacun votre dialogue privé, c'est ça? Mm-hmm. Yes. Oh, belle ma wife. Ah, regardez. Rattrape-toi, vas-y. J'ai l'impression que je suis en pantoufle là dans ma vidéo. We haven't much time, so listen closely. There is great potential within you. It comes from that parasite. Your instinct is to resist the power it gives, but you must accept it. Nurture it. I will keep it from consuming you, but for the sake of both of us, you must learn to wield it. Cet ange gardien, il m'a pas l'air très ange gardien, je trouve, hein. Vas-y, laisse-toi aller. Wow, c'est chelou comme... A fight for the fate of Faerun. A fight we are losing. For now. You can change that, but only if you embrace your potential. I have to go. The enemy is closing in. C'est très particulier, je trouve. I'll be back. Wake now. You'll feel better. I promise. Certains de vos compagnons sont encore en train de dormir profondément et il est impossible de les réveiller pour le moment. Je la sens pas. Le gros ronflement.
Bon, après, si elle m'empêche de devenir un Mind Flayer, je dis pas non. Oui, mais justement, j'ai pas trop envie de. De boulotter des trucs. Donc, Bah écoutez, voilà. Vous avez récupéré vos soeurs ou pas? Oui. Ouais. Yep. Mais moi, je suis encombré maintenant avec toutes les merdes que vous m'avez filées. Mais non. Mais que vas-tu raconter là? Attends, pour éviter de me taper, je vais tout taper dans mon coffre. Eh, tu peux filer les trucs au niveau potion. Hmm. File-moi les trucs hein, si tu sinon. Non, c'est bon, je tape tout dans les. Je tape tout dans mon coffre. Je peux peut-être vite fait filer un truc à Gale là. Mais on s'en fout. Il est en train de crever la gueule ouverte, mais c'est pas grave. Par contre, je crois que j'avais gardé un item pour lui donner et je crois qu'au final je l'ai refilé à Katox pour le vendre. Tous les j'ai tout filé. On se casse. Je suis en train de parler avec qui? Bah Gale. Gale, mais j'abrège. Il y a une chauve-souris qui est rentrée dans ma maison. Ah. Hop, c'est bon, j'ai fini. C'est Batman. Ouais, ça a l'air d'être suffisant parce qu'il est toujours en train de se tenir le bide. Oui, non, mais parce que j'ai bien compris, là, en fait, on a parlé de tout et d'autres trucs et. Ou pire, tant pis. Voilà, tant pis, on verra ça plus tard. Mais je crois que j'ai perdu l'item. Ah non, je l'ai conservé, la breloque ternie, on verra ça au prochain repos. Tu veux parler au rat là, c'est ça qui se passe? Ouais. Bien, ouais, donc qui allons-nous tuer maintenant? Ouais, les rats. Ah ouais, je peux casser l'item sur moi. Je suis devenu. Ah bah, j'ai trouvé des gens là. Je vais passer à ma lumière là. Ah bah oui, c'est la cage. Avec le chanteur là. Ah, donc je t'écoute parler. Then catch one on your own. As the symbol glows, power courses through you. Ah là là. Authority. Ça passe, ça passe. Ça ira, ça ira, ça ira, ça ira. C'est la 1. Franchement, on a vraiment bolos celle-là. Entre le Holbert et son pet et son barbe là. Et en plus de ça, on va lui prendre la vie. Oui, exactement. C'est moi qui l'ai one shot. Enfin, c'est moi qui l'ai eu. My friend, we can speak freely. I'm in no hurry to take my turn on that spit out front. Perhaps you'd be so kind as to unlock this gate. Crochet, tu veux que je le fasse? Nous pensons, je lui parle. Oh, an individual of some learning, I see. You're quite right. Volothep, get up. Realm renowned author. Une pomme de terre sous les pieds de Katox. And tastemaker at your service. Ah, bah j'arrive juste à la fin du dialogue. Bah, y'a pas de. Bah, parce que tu as ouvert la porte. Y'a peut-être envie de se barrer, le pauvre. Ah, mais il s'est juste mis là en fait, ok. Bien, il cherchons notre prochain gobelin à tuer. Là, y'a des gobelins, j'ai des gobelins là. Ah! Du sang. Alors attends, je peux peut-être envoyer ma créature. Après, c'est nos potes, hein. Je vous rappelle. Non, mais c'est vrai que c'est nos potes. Ils sont jaunes. Oui, non, mais. Je ne peux pas être l'ami d'un gobelin, je peux leur faire croire que nous sommes en. Non, mais c'est ça, non, mais pour l'instant, c'est nos potes, tant qu'on les tape pas. Ah oui, non, mais on va bientôt les taper. Ah oui, bien sûr. Ouh, je viens de trouver un mob level 6 là. C'est pas grave, 4 contre 1, on va le défoncer. Du coup, il faut être économe en munitions.
C'est ça que ça veut dire. Ah, bon, j'ai entendu un déroulé là. Je crois que c'est Kadox qui se cache. Bon, on les tue ou pas, hein? Attendez, attendez, parce que si vous vous mettez en hauteur, moi aussi je vais me mettre en hauteur. Ah bah vas-y, mets-toi en hauteur, moi j'ai pas d'intérêt à ce que je me mette en hauteur. En fait, je vais pas me mettre en hauteur là parce qu'il y a des mobs derrière, j'ai pas envie qu'ils soient attirés. D'accord, donc tu m'as fait me déplacer pour rien. Je... Oui. Je kiffe. Bon, on y va? Bah attends que je me sois éloigné, s'il te plaît. Presque chacun de si, hein. Ah non. Non, tu l'auras pas. Bon, à 5. Si je me cache bien, donc. Eh bien, je peux faire une petite attaque contre l'archer. Allez, bah, moi, je prends le bien. 2. Allez. Ah. No fun. Pourquoi j'ai pu le taper deux fois, je sais pas. Voilà, les bons gobelins sont des gobelins morts. J'ouvre la porte? Bon, vas-y. Cinématique. Ah non. Ah. Attendez, les sarcophages. Non, j'ai loupé les sarcophages. Non, ah, vous êtes où? Enclos des Worgs, on est derrière la porte. Non, regarde. Visiblement, c'est une nouvelle zone à explorer! Ah ouais. Et on n'a pas fini de tuer tous les autres monstres avant. Bon, non, on peut peut-être faire celle-là. Ou on peut faire celle-là, ça a l'air d'être une petite zone. Ah ouais. Ouais. Et bah faisons celle-là. M'a pas l'air si petite que... Ouais, si, ça va. Si, hein. C'est pas... Bon alors, est-ce qu'on parle à des gens ou est-ce qu'on fonce dans le tas comme des grosses brutasses? Ah, moi pour l'instant j'ouvre des tonneaux mais... On fait semblant d'être pas des brutasses et si jamais il y a un pet de travers, bam! Il y aura forcément un pet de travers, c'est des gobelins! Oui bah... Il y aura forcément un pet de travers, c'est nous qui jouons surtout, ouais. Il y a ça aussi. C'est des prisons en fait. Et ça y ressemble en tout cas. Il y a un dedans, bon on peut les défoncer pour moi. Ils sont amicaux pour l'instant? Oui. Ok. Attendez, je me... Ah bah on a trouvé. Je me sens bien placé là. Attendez. Il y a un ours, il est là, le pote du gars là. Bah je vais aller voir. On va trouver Alcine? Bah je sais pas, je vais aller voir. Tu voulais pas que j'aille leur parler? Après à tout moment on les tue, on voit après non? Stop them. Free me. Ah bah oui, je pense qu'on l'a retrouvé. Again. Make it squeal again. Bon, alors eux, je les aime pas beaucoup. It's staying right here. The beast came in here with those robbers, killed Dink and Mince too. Ah bah si elle savait tous ceux qui sont déjà morts. Ouais, c'est ça. But first, three more stones. Make it nice and bloody. Yeah. Hit his head. I want to hear more noises. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Hop, allez, bon du nerf, arrêtez ça. J'ai mélangé trois phrases. Oh là 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 là. Bah moi je vais juste leur gueuler dessus. How dare you? Release me. Get rid of them. Bah oui, on attaque les gobelins. Time for blood. Oh ouais. Oh yeah. Ah ah. Yes. Je pense que... Ah ouais, d'accord, tu t'es mis en place. Ouais. C'est à moi? Ouais, bien. Et bien évidemment, j'ai pas eu le temps de mettre ma petite créature en invisible, sinon c'est pas drôle. Yes, t'as tué les deux gamins, je suis content. Je l'ai loupé, je suis deg. Là, je suis en premier. Hop, là, c'est... Écoute, c'est mon métier de tuer les gosses.
Ah mais c'est vrai que j'ai une extra attaque maintenant avec le niveau 5, ça ça fait plaisir. Ah ouais, c'est level 5. Ouais. Ah pas dégueu. Ah c'est vrai que sur les fights de boss, je pourrais vous donner à tous héroïsme. J'utilise un emplacement de sort 3 et je peux vous donner héroïsme, 5 points vie temporaire par tour pendant 10 tours. Autant dire que quand tu prends des buffs, ça aide. Ah voilà, ah voilà. 10 points là, c'est bien ça. Ça on aime. Ah surtout que maintenant tu fais 2 des 10 au lieu de 1 des 10. Ah oui, bon bah j'ai fait 2 x 5 quoi. C'est déjà ça, t'es dans la moyenne. Mmh. Mais en fait y'a plus mieux. Du tout d'ennemis à côté de vous là. Ouais, mmh. Franchement la masse elle est trop bien avec le chop. Keep going. Again. Échec critique. Oh là là. Ouh, ça c'était beau ça. Je peux pas avancer plus que ça. Chier. On est encore là-bas, ouais. Putain. Je suis trop con, moi, dis donc. Putain, je suis deg, il est pile en dehors de ma portée, quoi. Ah ouais, mais ça c'est... Ce sort, et moi je l'aime beaucoup. Tiens à dire qu'à chaque fois que tu butes un ennemi, j'ai le droit à un petit zoom sur le cadavre, ça me fait beaucoup rire. Bah je viens de l'avoir, moi. Pourquoi ça fait ça? Peut-être qu'on a eu... Je sais pas. Faire c'est attendre parce que de toute façon en sortant ils seront tous les deux clamsés. Ou alors les flécher, c'est ça. Parce qu'il y a un nuage de dagues. Les attendre et les flécher. Et non, je crois qu'il a pas compris le gars. Attends. Hop là. Et je vais faire un petit jump. J'ai pas pu. Bon, avec un peu de balle. À mon avis, oui, ils vont se faire. Ah, mais elle a déjà pété la porte. Oui, bah, oui, c'est le nounours, il a cassé la porte. Good. Again. Il loot. Ça, c'est que c'est pour récupérer des morceaux de cadavres en plus. Il y a pas de petit profit. Ah oui, alors peut-être que ça va se revendre une PO, ton truc là, qui va peser 3 kilos. Une PO, c'est une PO. Ouais, alors ça, quand ça pèse 4 kilos, pas trop. Putain, je suis... Bon, tant pis, je peux pas te dire. Voilà. Arda peut passer le tour, ça sera tout seul. Ou alors il lance une boule de feu, c'est ça. Yes, I... Pardon the viscera. One should cherish all of nature's bounty, but... Goblin guts are quite far down the list. Not only do you speak with a bear, but you free it too? A true friend of nature.
or perhaps a lunatic. Either way, I owe thanks. I am the druid Halsin. Yes, but just Halsin will suffice. Unbecoming to demand honorifics from the one who saved my hide. C'est chiant, I am aware. Ça marche pas. I foolishly left it vulnerable to this rabble. There's work to be done. J'avais une arme qui était pas mal et... That look in your eyes. I've seen it before. Allô? Are you feeling ah, vous êtes en discussion. Ouais, ouais, mm-hmm. On est en dialogue. Oak Father preserve you, child. You're infected, aren't you? The Mind Flayer's spawn. But something's different. You're aware of the monster inside you. You don't bow to the absolute like the true souls do. How is this possible? Perhaps. But I wouldn't want to place all my faith in blind luck. It's no coincidence that you found me here, I'll wager. You're after a cure for this parasite. I've been studying these parasites for a while now. Ever since I discovered these so-called true souls are infected with them, someone is using very powerful magic to modify these tadpoles. They're using them to exert control over the infected. I'm sorry to say, I can't undo that magic, which means I can't cure you. But that doesn't mean I can't help. I didn't find what I came here for, a way to remove the tadpoles. But I found the next best thing. I found out where they come from. That must be where these enchantments are placed on them. And it's where you'll find your cure. Hmm. Intéressant. I overheard that the cultists are sending all of their captives to Moonrise Towers. Innocents go in, true souls come out. Given that all of these true souls are infected, it has to be the source for this magic. If you want to find a cure, you must head there and discover how the tadpoles are being manipulated. I'm as certain as I can be. If you have a better alternative, I won't stop you. I can't stop you, in fact, which brings me to my next problem. I've no right to ask more of you, but if you could help me, I'd be free to join your journey to Moonrise. I cannot allow these butchers to threaten my grove. The natural order must be protected. My thanks. If you prevail, I'll owe you the debt of a lifetime. Rare is the beast that survives decapitation. Help me eliminate the Drow Minthara, the Hobgoblin Draw Ragslin, and that perversion of a priestess, Gut. They are the ones holding these parasites together. Remove them, and nature will cure itself. Ah, oui. There is no safety. Not while this rot festers. Once it is cut out, once the grove is secure, then I shall leave. Be warned. My presence could make things more difficult. I can only restrain my bear form so much. I won't be able to help but attack goblins. If I join you, we'll likely have to slaughter this entire place. Bon, t'inquiète, Oui, massacrer tous les gobelins, oui. Venez avec moi, oui. So be it. May Sylvanas lend us nature's fury. Voilà, c'est ça qu'on aime. Des gens qui sont droits dans leurs bottes. Eh, c'est... j'ai un pet ours, t'as vu? Ouais, j'ai vu ça. Oh, clé de la prison. À deux mains. Il a surtout plus de PV que moi, ton truc. C'est ça qui me fume. Non. T'as marché dans un piège? Mais non, mais. Le problème, c'est que
le bouton pour ouvrir un coffre et le bouton pour tirer sur un putain de baril, c'est le même. Donc quand tu veux ouvrir un baril et qu'en fait c'était un baril que tu pouvais pas ouvrir mais que tu pouvais péter, ça t'a l'air con. Bien, on a libéré Alcine, c'est une bonne chose. On va pouvoir arrêter l'épisode là. Bah oui, tout à fait. On se terminera sur une belle libération. Presque sans violence. Ouais, violence, c'est vite dit. Bien. Presque sans violence. Presque voilà. Sans violence. Sur ce, bonne soirée à tous et à très bientôt pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. On vous fait des bisous. À plus.